Les racines de ce negro spiritual remontent à avant la guerre de sécession américaine. En raison de son imagerie pacifiste, ce morceau a été utilisé comme chanson de protestation anti-guerre, en particulier pendant la guerre du Vietnam. Cette chanson, reprise par Louis Armstrong, Nat King Cole et même Elvis Presley, propose de laisser derrière soi les sentiments de colère et de pessimisme avant de traverser la rivière. Voici Down by the Riverside. Voyez, c'est du direct. I'm gonna lay down my sweat and chill down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sweat and chill down by the riverside. I'm gonna study. Je pense que vous la connaissez aussi. Nous allons terminer cette deuxième partie par une chanson créée à l'origine par une bande d'amis en Corse dans les années 80. Elle a été le tube surprise de l'été 2022. Après avoir envahi les fêtes de village corse, la Goffa Lolita a fait craquer la France avec son air entêtant et ses paroles légères. L'autre soir,
et la traverser toute l'année. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Bye.
Oui, voilà, ça fonctionne. Eh bien, écoutez, toute bonne chose à la fin, on dit. Grand merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation d'après-midi récréatif. Nous allons faire un dernier morceau, donc, qui réunit absolument toutes les personnes qui ont participé. Merci aux décoratrices. Merci à tout le monde, et puis ma foi, on vous souhaite de bien terminer la journée. Allez, on se lance pour le dernier, que l'on n'a pas répété.
Voilà, eh bien écoutez, c'est sur Au bout de mes rêves que se termine notre après-midi récréatif. Je rappelle à tous les participants que vous aurez un petit verre de l'amitié, donc vous ne partez pas, on va mettre des tables devant et puis on va boire un petit coup ensemble. Hein, vous l'avez bien mérité. Merci à tout le monde, bon retour chez vous. Voilà, on peut les applaudir encore une fois très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup.